це дуже цікавий аспект вашої роботи. Хотілося б запитати про інше. Коли дуже часто у Франції, коли згадуєш ім'я Мішеля Онфре, у багатьох людей виникає негативна реакція. Як ви можете це пояснити? Les réponses sont assez simples. Je suis très clivant. C'est pas mon genre d'être une couleuvre, de dire une chose, son contraire, autre chose. Je suis pas diplomate, il faut le dire avec le mot qui convient. Donc je suis athée, donc les croyants ne m'aiment pas. Je suis de gauche, les gens de droite ne m'aiment pas. Mais comme je suis d'une gauche qui ne convient pas à la gauche, une partie de la gauche ne m'aime pas. Je ne suis pas encore trop vieux, j'ai publié une cinquantaine de livres, c'est traduit en 26 ou 27 langues, et du succès, donc ça fait des jaloux. Je pense qu'à la place de beaucoup de ces gens-là, je serais aussi jaloux de moi-même. Et je comprends très bien qu'on puisse ne pas m'aimer. Je n'ai pas de tribu derrière moi, je n'ai pas de copains, je ne suis pas soutenu par des gens, je ne suis pas dans les institutions, je ne suis pas un officiel. Je n'ai pas trahi père et mère, et puis voilà, je suis là ce soir avec le grand-mère, mes livres existent, ils sont traduits, et puis il faut que je parle plus. Plus. Ну, це дуже просто пояснюється, тому що я не дуже, коли я висловлюю свою думку, я не зупиняюся не перед чим. Тобто, якщо так можна сказати, я не є дипломатом. Я атеїст, це не подобається віруючим, я лівий, це не подобається правим, інколи це не подобається не таким лівим, як я лівий, це який трохи інакше бачить цей рух. Я написав 50 книжок, які перекладені на 26 або 27 мов. Тобто це може викликати заздрощі у людей. У мене немає таких впливових друзів, немає нікого, хто б за мною стояв. Тобто є багато-багато чинників, які цьому сприяють. Est-ce que j'ai lu quelque part que vous étiez libertaire et donc contre les règles? Est-ce que c'est exact? Така думка, що ви завжди виступаєте проти правил. І чи це правда? La question était aussi longue? Non, je pense pas que l'anarchisme soit ça. Je pense que souvent l'anarchisme, effectivement, c'est une pensée un peu adolescente. On est contre toutes les règles, contre toutes les lois, et moi c'est pas l'idée que je me fais de l'anarchie. Je pense qu'il y a un ordre libertaire et qu'il faut construire l'ordre libertaire sur le mode contractuel, c'est-à-dire qu'il faut créer les règles du jeu ensemble et ne pas attendre que les règles du jeu elles tombent du ciel. C'est ma définition d'anarchie, ce qui fait que, là encore, je veux dire, quand je dis que je suis anarchiste, j'ai tous les anarchistes contre moi, parce que eux ont un catéchisme, ils savent comment il faut faire, et moi je persiste à croire que tout ça est du pragmatisme et qu'il faut pratiquer l'anarchie et l'inventer. Et être sur le mode contractuel épicurien, mais on n'a pas le temps ni l'occasion de préciser ce que signifierait un contrat épicurien dans cette aventure. C'est dommage. Mais on peut, hein. Il y a un temps. Il y a un public qui ne comprend pas votre discussion. En avant. Alors, quel courage. Коли ми говоримо про анархізм, це не для мене анархізм не означає відсутність, повну відсутність якихось правил чи законів. Це більшим чином, переважним чином, це те, що ми маємо самі собі створити якісь правила та закони, їх створити і їх виконувати. Oui. C'est pas de la censure, c'est une expression synthétique de la pensée de Michel Onfray. Alors un contrat, juste quand même une petite question, c'est un contrat épicurien. Moi je voudrais bien savoir ce que c'est. Et puis j'aimerais savoir après,
je parlais des règles, mais à vous entendre, j'ai l'impression que vous êtes contre tout, les religions, la psychanalyse, notre cher Freud en particulier. C'est une impression ou c'est une réalité? Перше питання, це хотів би, щоб ви пояснили, що таке епікурійський контракт. А друзі? Est-ce que Michel Onfray est contre tout, contre les religions, contre la Michel Onfray, pas les règles, j'ai compris. Насправді є людиною, яка проти всього. Я зрозумів вже, що не проти правил, але проти всього, проти релігії, проти Фройда, просто людина, яка є проти. Je suis contre tout ce qui agenouille. Я проти всього того, що ставить на коліна. Donc effectivement, les religions, la psychanalyse, religion, psychanalyse, les idéologies, idéologie, partie de la philosophie, частина філософії, les chefs, les patrons, керівництво, responsables, les institutions, різні інституції, les académies, академії, університети, etc. Mais la psychanalyse ne libère pas, selon vous. Je croyais que quand on a des problèmes, on va chez le psychanalyste et on se libère. La psychanalyse ne libère pas l'homme, parce qu'il y a така думка, що саме для того, щоб звільнитися від якихось забобонів, створений психоаналіз. Non, en effet, quand on a des problèmes, on va chez le psychanalyste, mais quand on sort du psychanalyste, on a toujours ces problèmes. Насправді, коли ми йдемо до психоаналітика, ми йдемо тоді, коли у нас є проблеми, але коли ми від нього виходимо, у нас є ті самі проблеми. Alors, ceux qui pensent être guéris se trompent. Ті, хто вважають, що вони після відвідання, вони вже здорові, або їм просто краще стало, вони помиляються. Non, mais vous avez à Lourdes, par exemple, qui est un lieu de culte en France, des gens qui laissent leur béquille parce que l'eau miraculeuse leur a rendu la marche. C'est pas une preuve de l'existence de Dieu. Наприклад, ні, це не так. Наприклад, ви можете бачити у Лурді, це святе місце у Франції, як люди на милицях полишають їх, тому що вони видужали, але це не доводить існування Бога. Donc il y a des effets chamaniques à la psychanalyse, ça je ne le nie pas, mais c'est l'effet placebo qu'on trouve dans toutes les pharmacies. Насправді у психоаналізі є якийсь шаманський ефект, але це можна сказати, що це ефект плацебо, який ми можемо бачити у кожному медикаменті. L'effet placebo sur un médicament c'est 30% la plupart du temps. Зазвичай це 30% діє ліків. Donc je pense qu'il y a 30% de psychanalyse qui marche. Тож я думаю, що є 30% психоаналізу, який насправді діє. Un bon verre de vodka ferait l'affaire aussi. Mais bonne bouteille. Пляшка горілки, вона зробить те саме.